Oh bah c'est une belle après-midi d'animation pour les jeunes de Saint-Germain. L'objectif de cette animation, c'était un peu de recruter les jeunes suite à cet épisode de Covid. Ils reviennent là, progressivement, mais je pense qu'avec une après-midi comme celle-ci, les animateurs ont pu voir d'autres jeunes qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Alors la première sauto bomb club, donc c'est un parcours à la Ninja Warrior, c'est un parcours chronométré. Les jeunes, le but c'est que le plus rapidement possible, ils doivent faire le parcours en entier. Sur cette animation, c'est qu'on a fait venir une entreprise sociale et solidaire. Bah nous, en fait, c'est une association, on milite pour le sport zéro déchet. Et ici, on propose deux animations. Donc, on a un bis mixeur où on fait des smoothies en pédalant. En fait, c'est des fruits qu'on a récupérés des invendus de marché. Et du coup, les enfants, ils choisissent les fruits qu'ils veulent et en même temps, en pédalant, ils vont avoir faire leur smoothie. Deuxième atelier, c'est un atelier où ils fabriquent leurs bracelets à partir de pneus usagés. On leur donne des astuces pour limiter leurs déchets, essayer de consommer autrement, ne pas tout acheter neuf, plutôt de recycler. Ça a aussi été permis grâce à l'aide du conseil départemental de l'Essonne. L'idée, c'était un été sportif pour que les jeunes soient occupés. Il y a un mouvement sur les Jeux Olympiques 2024 et la commune de Saint-Germain-les-Arpajon va prendre ce thème-là pour faire ce qu'on appelle un PEDT, un projet éducatif territorial qui va être notre projet futur sur les 3-4 années qui viennent. Les jeunes, je pense qu'ils ont vraiment bien aimé. Bah parce que quand ils sont arrivés, ils ne s'y attendaient pas forcément. On a pourtant fait une communication. Hein. Et au final, en arrivant à 14h, ils sont pratiquement tous restés jusqu'à 17h, 17h30. Hein.